Les amis, petite vidéo en plein été. On est avec la Plaid, 52 km d'autonomie à peine. On est sur un superchargeur V3 et je vais vous montrer combien de temps on charge une voiture. Alors quand l'été il y a du monde sur les stations essence, ben, c'est très long. Nous on va le faire en direct. Pistolet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, en 8 secondes la charge est démarrée. Personne à attendre, pas payé, etc., etc. Maintenant combien de temps on va récupérer en autonomie. On va lancer le timer qui est là, si vous voulez bien. Et voilà, combien en 10 minutes on va récupérer deux batteries. On était à 54 km. La batterie est pas très chaude. On devrait monter normalement jusqu'à 250 kW. Là, j'étais juste à côté, donc la batterie n'a pas préchauffé. On va voir en 10 minutes, sans cut, combien on récupère de batterie ou de kilométrage. Voilà, voilà. Comme vous avez vu, le superchargeur est loin d'être plein. Il y a, alors qu'on est en plein été, 8 bornes de dispo. Ce qui n'était pas le cas à midi. Mais évidemment, on ne charge pas sa voiture à midi. On récupère 1000 km par heure. Voilà, voilà. Alors, cette modèle Plaid, est-ce que j'en suis content? Bah, franchement, oui. Là, il vous annonce 30 minutes pour faire un 7% à 80%. Et on va faire vraiment en 10 minutes. Voilà, on était à 58 km. Ben on va voir combien on récupère de kilomètres en 10 minutes. Parce que paraît-il, c'est long. Alors, déjà, je vous le redis, hein, les amis, quand tu es aujourd'hui sur autoroute, tu dois garer ta voiture, aller à la station essence, prépayer pour dire bonjour, monsieur Gomez, je voudrais la pompe numéro 4, 30 euros de gasoil. Oui, parce qu'il y a des gens malhonnêtes. Donc, forcément, vous êtes déçus. Hein. Quand nous, vous avez vu qu'en 8 secondes, la charge démarre. Alors le coût de, oui déjà, 10 minutes, je peux pas m'arrêter, mais tu les perds déjà avec le monde à sortir ta voiture. Quand nous, là, vous avez vu, c'est quasiment instantané. Voilà. Donc là, il nous dit, vous voyez, que on a du monde sur le superchargeur, donc il va bloquer à 80%, et on peut enlever cette limite. Et on va le faire ensemble pour être transparent. Aujourd'hui, je vous parle. Je suis allé chez Seat et chez Cupra. Vous dire que la concurrence se bouge, on va vous dédier ça dans une nouvelle vidéo, mais la Cupra Born XL avec la grosse batterie de 80 kW a une nouvelle remise que je vais vous expliquer, mais également la Skoda Enyaq 80 qui a une baisse de quasiment 15 000 euros. Voilà, on va en parler plus en détail dans une vidéo dédiée que j'essaierai de mettre en lien de fiche. Là c'est vraiment pour ceux qui me disent oui on charge combien. Alors vous voyez, la batterie vient de chauffer, on charge pardon, en crête, ça y est, on a 250 kW de charge sur un niveau de batterie qui correspond à, hop là, 16%, on est bien au max. Et voilà, pas de cut sur cette vidéo, pas de triche, pardon, j'essaie de me caler, j'en ai fait pendant le support. Alors, 1650 km par heure. Cette Plaid consomme combien? Consommation, les enfants, j'ai déjà 7000 km en un mois et demi. Consommation moyenne de 207 watts au kilomètre. On va vous faire une vidéo bientôt avec mes copains. Donc, on va comparer une modèle 3, une modèle Y et une Plaid. Puisque, évidemment, à force de rouler en Tesla, des copains y passent. Donc, si d'ailleurs vous voulez bénéficier de 500 euros. De remise sur votre Tesla grâce au lien de parrainage que je mettrai en bas de vidéo. Maintenant les enfants, pour le modèle 3 et Y, vous avez 500 euros de remise avec le lien de parrainage et 1000 euros si vous achetez une Model S. Nous on les gagne pas, on gagne des kilomètres gratuits. J'ai 3 ans de supercharge, donc je peux vous dire que ça ne me fait pas grand chose, mais pour vous 500 balles d'économie grâce à un parrain, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi je crois que je vais gagner le kit carafe, je sais pas quoi, un truc comme ça. 132 kilomètres. Allez, c'est parti. Et encore, il y a la clim. Hop là. Alors, pour ceux qui ne savent pas, nous, on a l'écran motorisé maintenant. Hop là. Et on a aussi Steam. Steam, on a Zoom qui permet de faire des conférences directement dans la voiture. Hop là, Tidal, etc. Ça, vous connaissez. Il ou Steam. Je ne vois jamais à chaque fois. Ça me déprime. Alors, on est toujours à 250 kW. Dans Arcade, nous les copains,
On a Steam. Steam, c'est une plateforme de jeux, voilà, qui permet d'avoir quasiment tous les jeux. Ça, c'est plutôt cool. 156 km, les enfants. On a quasiment récupéré 100 km en moins de 5 minutes. On est sur une charge qui est à 250 kW, le maximum autorisé. Voilà. On a Steam qui est en train de se lancer. J'aimerais vraiment sortir de là pour vous montrer le niveau de batterie en 5 minutes. Voilà. On est à 5 minutes, je vais vite fait sur le niveau de batterie, affichage. C'est où affichage? Pourcentage. En 5 minutes, voilà, on est à moins de 8%, on a récupéré quasiment 20% de batterie. On est toujours au max avec cette plaid. 250 kW, 1650 km par heure. On a déjà récupéré 20 kW en quasiment 5 minutes. On va pas faire de cut, les enfants, parce que ça va rappeler sinon le petit youtubeur Alan Bidule qui faisait des cuts dans ses vidéos. Et j'ai pas envie un jour de me faire défoncer par Théo Maligny, que je suis, que j'adore ses vidéos. Il démonte tous les fakes youtubeurs. Le mec, il fait 50 kilos. Il disait qu'il bouffait 4 gigas tacos, 16 kilos de viande. Bon, bref, arrêtez tu ce genre-là, les enfants. Ça me peine. Ça me peine. Alors. Distance, pif, 189 km. Ça fait que 6 minutes qu'on est là. Donc, c'est long, hein? Eh oui, c'est long, 6 minutes. T'as pas Bobonne qui est aux toilettes à Total Energy en train de dire, ah, je vais faire un pipi. Un enfant qui dit, papa, j'ai un Kit Kat, papa, j'ai un Coca. 6 minutes, c'est rien, les copains. Voilà. Hop là, toujours max en charge. On se remet en pourcentage. On est à 30%, la voiture est toujours au maximum. Voilà. Ici, nos petits jeux comme d'hab. Si on regarde ici, Odysseum, il reste 6 bornes. Si on dézoome et qu'on a la Nîmes, non, parce que paraît-il, l'été c'est complet. Nîmes, hop là, il va apparaître le Nîmes. Alors, il est où là? Super charge. Nîmes, il reste à l'intenté 3 et 16 bornes. Voilà, vous voyez, il y a de la place. Et si on est prêt au Avignon. Combien l'Avignon? 17 bornes disponibles. Vous voyez? Je crois qu'on est bon, non? Alors, ça baisse un peu. Ça y est, les batteries. On est tombé à 230 kW à 35%. Alors, ce qui nous fait. On a 224 km. En 7 minutes.